Si on a eu un combat, on s'est fait démonter tous les deux. Ah oui, j'étais salé, c'est vrai. Oui, t'étais hyper salé de ouf. Plus jamais j'accepte un combat double. Ouais, enfin, la ligue, c'est des combats doubles après. Quoi? Ah, t'avais oublié? Bon. Et bah. Adieu. Hey, salut à tous et tous, c'est Daniel V et Maxator. Hello. Aujourd'hui, ouverture de booster Poké MMO. Oh, bah Melocric. Putain, je l'avais pas. Oh, j'ai un Melocric Shiny Full Art. Melocric X. Est-ce que ça existe? Je regarderai plus tard au montage, je pense. Je pense pas. Merdocric X, il nous la faut cette carte. On fait le bâtiment Galaxy. Oh, ça veut dire qu'on va battre les méchants. Tintintin. Et ronde 2 contre Helio, je crois. Ou c'est dans le monde distorsion qu'on le bat, je sais plus. Ah non, c'est au monde distorsion, là on va devoir battre sûrement Wolverine. Alors, Godbidouf. Ah. Du coup, j'ai dégagé Roserad. Attends, j'ai peur, je vais faire un repousse. Oh quoi? J'ai pas eu de sauvage. Oh, bah attends, moi je fais un repousse, hein. Je tente pas. Oh, et hop. Ah bah c'était rapide. Oh. Vous en tirez pas si bon compte. T'es déjà terminé, tes Pokémon sont pas mauvais, t'es une faiblesse embarrassante. Le trash tout. Le pot. Ah, veut pas se battre? Non, pas. Bah je crois qu'on va devoir la battre au QG. Au QG, ouais. Créelphi souffrait. Il pleurait, il se faisait tabasser, je pouvais rien faire. Je te conseille d'utiliser une repousse et on va aller de l'autre côté du lac. Ah mais moi j'ai pas de Pokémon qui surf, je crois. Alors, oh, ma cogneur va faire surf. Non, je rigole. Ah, mais il y a une grotte. Ah, il y a des herbes là-haut. Ouais, c'est pour ça, je voulais aller là-haut. Oh, Blizzard! Bon, on va essayer de capturer un Pokémon au lac Savoir. J'espère que ça va être pas être nul. Bon, bah, Blizzy. Mon premier Blizzy en vrai Pokémon de zone. Ah là là, Oujoujou. Oujoujou. Oh, Blizzy aussi. Bon, bah, Boujoubouju. Et... Oh, Castorno! Ah! On a fait urager. Oui. Bon. Du coup, faut que je retourne en ville pour avoir vol, parce que j'ai pas vol dans ma team, pour aller au bâtiment Galaxy. Oh, j'ai trouvé Voila Rock du premier coup sur la map. Ça y est, je commence à connaître le jeu par cœur. Ça y est, tu es devenu... Un vrai fan 4G. Putain, mais moi, je vais devant le magasin, je suis vraiment con. Faut pas faire les courses, faut se battre contre les méchants. Allez hop, QG Galaxy, enfin. Bonjour, je voudrais rentrer dans la team Galaxy. Bonjour, je vais rentrer. Là, toi. On peut pas. Allez. Faire quoi? Ah, faut pas aller au hangar? Mais non, mais qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Je m'en souviens plus. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, on va parler aux gens dans le bâtiment, il y a peut-être quelque chose... Ah, attends. Je te reconnais, je parie que tu m'as oublié, mais je me souviens de toi, c'est ta faute, ils ont emporté mon mélofée. Une clé stockage, je suis pas au courant, allez, à plus. Ah, mais fallait vraiment parler à lui? Ouais, faut croire. Il a la clé! Oh, trop bien joué, Belladonis. Oh, par contre, t'avais raison, faut aller au hangar. Bien, on adore les allers-retours. Utiliser la clé. Ok. Victor, c'est ouvert. Ok, c'est bon. Ouais. Pire nuit. Ça ne sert à rien. Très bien. Ouais, trop bien. Je vais pouvoir la revendre à prix d'or. Attends, je devrais peut-être pas partir comme oui, ça sans toi. J'ai perdu, je savais pas où t'étais parti. Ah, j'étais parti faire mon aventure, là. Allez, hop, c'est parti pour se foutre sur la gueule. Allez. Pimpapouf contre les Nostanfer et tout. La musique du bâtiment Galaxy, trouvé. Je sais pas, j'ai coupé la musique. Je pourrais pas en profiter. Bon, ça va aller vite, hein, de toute façon. En vrai, ouais. Je pense que le plus chiant, ça va être le labyrinthe, c'est tout. Quel labyrinthe? Il y a un labyrinthe. Dans tous les QG des méchants, il y a des labyrinthes. C'est un labyrinthe aussi, ça? Sûrement. Oh, ça peut pas être pire que la 1G, quand même, avec ses... C'est téléporté en tous les sens. Allez. J'ai un objet avec rien. Ah, c'est Vendetta. Moi, j'ai la suite. Ah, il me là. Ouais, j'avoue. Oh la vache. Ah, ah, je suis un scientifique avec une cape blanche. C'est bien connu. Ah, les scientifiques ont tous des capes blanches. Puis, c'est bien un Weeb, hein, il a des Kirlia. Oh, poursuite, ça one-shot. Ah, je pensais même pas que je le one-shotterais, même super efficace. Eh oui, la boue est trop fort. Ouais... Aujourd'hui, on met en avant la bouée, parce que, spoiler, à la fin de l'épisode, je l'échange. Et ouais.
Enfin, quand je mets en avant un Pokémon, il disparaît. Ah, c'est des douteux. Personne n'a Porygon. C'est des douteux, c'est du porno dedans. C'est pour ça qu'il est douteux. Ah, peut-être. Ça expliquerait beaucoup de choses, effectivement. Ça expliquerait la forme de Porygon, peut-être. T'es dégueulasse. On est dégueulasse. Ah, parce que Porygon... Oh, c'est mal fait, regarde l'évacuation de l'eau. Pourquoi il y a de l'eau? Ouais, ils ont des fuites partout, c'est terrible. Hein. Ah bah, il y a Okroupi. Oh, mais... dans une flaque d'eau. Avec la galaxie. Et maintenant qu'on est au hangar, on peut aller à l'avant du bâtiment, avec la clé galaxie. Oh, en effet. Oh là, mais maintenant qu'on a la clé, on va partout. Et oui. On a passe-partout de Fort Boyard. On va devoir mettre l'extrait. Exactement, oui. Passe-partout de Fort Boyard. Je guide les casse-coups. Ah, les rêves qu'on a. Ouais. C'est de la merde. Vous savez, il y a encore temps de se désabonner, hein, si vous voulez. Fuyez, pauvre fou. Stop les références. Heureusement qu'on n'est pas dans un Nuzlocke. Ouais. Enfin, on serait dans un Nuzlocke, je pense qu'on ferait pas les règles débiles qu'on a en plus, parce que ce serait n'importe quoi. Hein. On aurait déjà quitté l'aventure depuis longtemps. Je crois, épisode 2, on aurait déjà perdu le Nuzlocke. Oui. Je suis à la salle télé. Ah, tu regardes une vidéo. Ah, c'est un dresseur. Ah, putain. Passer juste devant lui. Mais pourquoi il regarde la télé? Tu m'as dérangé pour ça. Tu vas mourir. Eh, hey, mais t'as raison. C'est vrai que Porygon, il a une forme de... En tout cas, sa queue, je veux dire... bon, voilà, quoi. Ah, mais non. Démonisation incoming. Ah, j'ai trouvé la salle du discours. Oh, trop stylé. Vas-y, je vais avec eux. Je propose peut-être d'aller se soigner avant, non? Ah mince. En tout cas, moi, je vais aller me soigner avant. Ah bah, ah, mince, moi, j'ai lancé la civétique. Je t'attends. Ah. 6 and a half hours later. Psst, par ici, regarde ça. Espionnons cette conférence discrètement. On est juste à côté, genre personne, nous. Hein. Je vous ai compris, cher membre de la Team Galaxy. Mon nom est Elio. Ah, parce qu'il savait pas pour qui il bossait à la base. Hé hey. Je suis d'accord avec vous. Ah merde, du coup dans ma cinématique, t'es en plein milieu avec tout le monde. Max, qu'est-ce que tu fais? Non. En vrai, cette séquence, elle est folle pour Pokémon. Hein. Mais oui, pour le vieux Pokémon. Gros discours et tout, on se moque, mais en vrai, c'est trop fou. Oh, mais il y a des lits. Attends, on pouvait se soigner là, vraiment? Ah oui. Ah oui. Oh, j'ai fait un détour pour rien. Fais dodo, relégator. Allez, bonne nuit, mon Torterra. Oh non, un combat double. Non, non. Mon point faible, non. Bon, déjà, on sait que Maxator a perdu. Hypnose est toxique. Bon, bah, on va se soigner après. Enfin, moi, je vais retourner me soigner. On va faire un gros dodo. Bon, pff, on a le temps pour battre le méchant. On peut aller se coucher un peu. Non, arrêtez d'attaquer Bitenfeuille, il a rien fait. Laissez-le tranquille. Bitenfeuille, non. Le truc, c'est les combats doubles, je vois plus les... Je sais pas pourquoi, il n'y a pas les faiblesses d'afficher, c'est chiant. Du coup, comme je connais pas ma tableau de types toujours... Je vois. Je le reprécise bien, parce qu'il y a des gens dans les commentaires, ils pensent que je connais enfin ma table des types. Non, ils trichent. Du coup, je suis l'autre côté. D'accord. Maxator. Amurs, je sais pas. Faut que j'aille quelque part. Mais c'est la suite, en fait. Faut que tu prennes le téléporteur qui est juste à côté de toi. Ah bon? Eh, il était cool, mon discours, quand même, hein. Je le sens, toi, t'es ici pour créer Elf, ouais, on va dire. On est ici parce que c'est marqué dans le scénario. C'est marqué dans la Solus. C'est marqué dans la Solus qu'on a à côté. Allez sauver. Ah non, il se bat vraiment? Mais ouais. J'avais oublié. Ah donc c'est vraiment round 2 contre lui. Démol. Non, j'ai mis Bitenfeuille, putain, j'aurais dû mettre la bouée. Oh mais il est trop strat. Ah ouais, il retire ses Pokémon et tout? Non, non, mais il est vraiment trop strat. Ok, parce que moi j'ai one-shot son Démolos sans souci. Hein. Il a même pas switch, rien. Oui, il a Nost Enfer là. Oh non! PTDR, t'es qui? Non! Qu'est-ce? Oh non! Ah, il a Giga Sensu, mon dieu! Oui, il est horrible! Il est vraiment horrible! Vite, retrait! Retraite! Il a Boue Noire! Mais oui, il est pété! Quel enfoiré, cet enfer, putain! Bite sur son front, extermine-le. Ah, et rapace. Non mais c'est un problème ce enfer en vrai. Hein. Ah oui, oui. Oh, putain, je sais pas comment je vais faire. Il est trop fort ce truc.
Mais ça, c'était sûr qu'il butait bite en feuille. Non, mais j'attends qu'il se suicide au rapace, hein. On est là. Oh, il se soigne. Du coup, j'ai fait nitro charge. Je booste ma vitesse. J'avais prévu qu'il soignait. Je le savais. Je suis un prostrate, moi. Comme ça, je dépasse en vitesse Nostanfer. Et après, je fais lance-flamme et je le tue. Je le tue jamais. Je suis sûr que je le tue pas. Je l'ai pas tué, putain. Non. Oh mon dieu. Bon, alors, Nostanfer. Il est en train de me décimer, putain. Là, il suicide. Ouais, c'est bon, Nostanfer est mort au contre-coup. Allez, merci, au revoir. Non. Mais pas lui. Alors, tu feras gaffe, il a une attaque qui s'appelle Surpuissance, hein. Voilà. T'inquiète, il m'a fait bec vrille parce que j'ai toujours Je te veux pas. Voilà, mais toxique. C'est moi, j'ai une team de merde, quand même. Qui a peur des vols. Ouais. Je sais pas comment je vais placer ce truc. Non, mais je vais attendre qu'il meure au poison. Ah non, moi, il me spam bec vrille, quoi. Non, un con. Oh, mais il fait mal, en plus, le bâtard. Ouais, encore, il ferait pas mal, je dirais pas, mais il fait vraiment mal, hein. Bah, tu dois t'en sortir, je pense. Non, mais c'est bon, hein, tu t'en sors, hein, à mon avis. Il est plus rapide que moi. Ah non, je suis plus rapide que lui. Là, je pensais qu'il serait plus rapide. Ah, il a une baie, évidemment. Je vais peut-être ramener un Pokémon à la vie, non? Non. Ah non, c'est bon. Aquajet le tue. Exactement. Je pense, hein. Je suis pas sûr. Mais, si, je pense aussi. Et c'est quoi le dernier? Farfuret. Bon, ça va. Il a que 4 bon. Pokémon, hein. Je crois qu'au moment de distorsion, il en a 6, hein. Ah, il va être terrible, hein. Point glace. Le truc, c'est que j'ai rien pour le battre. Oh, imagine, il t'aurait gelé. Ouais, non, là, c'est moi gelé, j'aurais été vénère. Là, mais j'ai vraiment une team de merde. Hein. Oh, il donne la Master Ball qui servira à rien. On nous a dit que on était nuls. Et pourtant, on va gagner. Je le jure. Voilà. Et j'espère qu'il n'y a pas de combat parce que moi, j'ai qu'un Pokémon. Hein. Ok, alors. les gentils qui fuient, tu sais. Vite, cours. On n'est pas obligé de se battre. Ça sert à rien. Après tout, ils ont peut-être raison, la Team Galaxy. Hein. Allez, viens au lit avec moi, Max. Viens te coucher. Oula. Non, mais dors pas dans le même lit que moi aussi, c'est dégueulasse. Attends qu'il change les draps au moins. En plus, mon Torterra a dormi dedans. Oh, mais ce riff, regarde, ils ont la tête coupée. Ouais, ils ont la tête coupée et a marqué qu'ils souffrent. T'as fait tout ce chemin pour sauver quelques Pokémon, c'est pas nouveau, mais je veux dire que la logique du chef m'échappe. Enfin bref, t'as eu le courage de te montrer ici, je suis le comité d'accueil, je vais te payer l'affront que tu m'as fait au lac. Heureusement qu'on s'est soigné. Oui, oui. Allez, normalement il est pas plus dur que qu'Elio, mais je suis pas sûr qu'Elio on le batte en vrai là, je... Surtout au niveau qu'il avait. Ouais. On se prend un karma là. Ouais, on se moque, mais en vrai Elio il nous casse la gueule quand il veut. Hein. Ah mais bite en feuille, t'es nul. Tu pues la merde. Oui, tu pues la merde. Ah, ah, de type acier. Ah, préscience. Oh non, pas préscience. Ah mais non, je suis con, il a lévitation. Mais qu'est-ce que je suis gogol. Oui, en plus, c'est logique, il vole. Hein? Il a switch. Coatox. Ok. Il a mis son Pokémon poison avant que je pose mes pics toxiques. Bite sur son front. Envole-toi. Quoi? Il a esquivé l'attaque? Pff, what? Coatox, il a un truc qui s'appelle Joyeux Combat, et je crois que ça l'a boosté son attaque. Enfin, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Oui, il m'a cassé la gueule, putain. Bah, il aurait pas esquivé rebond, j'aurais gagné. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il est quand même vraiment trop stylé, Roserad. Tu l'as depuis le début, en ouais. Plus. C'est pas le meilleur que j'ai, mais il est là depuis le début. Est-ce qu'il me tue bite sur son front avant que je joue? Ouais, je pense pas. Peut-être pas, parce qu'il va peut-être faire préscience avant. Hello there. Mais quoi? Il m'a anticipé là, tu veux dire? Jamais il fait séisme pour tuer un Roserad. Hein. Non, mais l'enculé, non, mais il peut pas m'avoir autant anticipé. Oh la vache, ah, je suis moi-même surpris. Pour moi, il faisait préscience. À la limite, si tu veux, dès qu'il se posait. Voilà. Pourquoi il a fait séisme? Pour un PV en plus. Et attends, mais j'ai raté deux attaques déjà depuis le début. Mais quoi? Mais ils ont l'ultra instinct leur Pokémon ou quoi? Là, je te cache pas que c'est plus difficile déjà. Bah j'ai raté deux attaques. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il me le tue, il a pas refait préscience. Galopa est plus rapide. Ouais, donc même s'il fait séisme, je le tue avant. 4 fois avec lance-flamme. Mais de 1, il m'a anticipé de ouf comme jamais. Et de 2, les 3 esquives que je me suis mangé, la vache. Octillerie, très bien. Ça me va. Ah bon? Bah c'est pas fort Octillerie ici. Ouais non, c'est pas fort.
Soigne-toi quand même. ouais, j'allais faire un max en su, mais le truc c'est que j'ai plus de sous. Faut que je rachète des potions. Mais il fera pas assez mal, même si je suis lent, je peux en toquer deux et faire méga. Mais attends, mais comment il fait encore plus mal? Ah, oh, je suis plus rapide. Non, par contre là, non, mais là il y a un problème. Là. Les stats, elles m'enculent dans tous les sens là. Je le tue même pas. J'ai récupéré que dalle. Non, mais qu'est-ce qui se passe là hein? Je me suis bouffé distorsion au milieu de nulle part. Oh putain, Kadabra, mon cauchemar. Je suis pas plus rapide que Kadabra, je crois. Ah, quoi que t'es niveau 46, hein. Ah oui. Ouais, non, je suis lent. Bah, désolé, je croyais, mais. Bon. Bah, ça reste Torterra, hein. Bah, je vais faire un rappel quand même, parce que je pense pas que Galopa oui. va tanker. Est-ce que Bitenfeuille tankerait pas? Si tu veux, ouais. Bah, et type insecte? Ouais. Il a pas lance-flamme, ce Kadabra, faut pas déconner. Est-ce que je tanque au moins une attaque? Oh putain, ouais. Bon, normalement, je le tue. Avec lance-flamme. Il est en mousse, Kadabra. Mais le rappel, ça aurait été vraiment au cas où. Hein. Oh putain. Bon bah, j'ai bien fait. Et Bitenfeuille a gagné. Ah oui, Bitenfeuille a gagné parce que l'autre, il souffle du poison. Eh, j'ai bien fait de poser Pic Toxique. Hein. Putain. Mais ce axe que j'ai depuis tout à l'heure, là, c'est n'importe quoi. Il suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer. Non, mais moi, je suis pour la violence sur les Pokémon. Qui crèvent, ils servent à rien en plus. Qui joue Crifolet, Crefadet et tout, Crielf? Personne. Eh ben, merci d'avoir regardé cet épisode 22, et on vous donne rendez-vous pour la prochaine. On espère avoir pas trop d'échanges méchants. Bah même aucun, ce serait bien aussi. Ouais, aussi. Le monde distorsion arrive et pareil que ça va être... Ah, il y a le boss là avec ses rochers qu'on nous attise depuis longtemps, là, je suis pressé de le voir. On va se battre contre des cailloux. Et bah ouais, c'est des racailloux, voilà. Quel enfer. Tout est logique, racailloux sera le boss final. Je viens de voir le Vietnam là, actuellement. Why are we still here? Just to suffer.